Bonjour, je m'appelle Youssef et je suis du Maroc. Je suis né à Agadir. J'ai vécu à Rabat pratiquement toute ma vie. Quand j'ai à l'âge de 17 ans, 18 ans, je suis venu ici à Sondego. Ma sœur, elle habitait ici depuis une vingtaine d'années. J'ai vécu avec elle pendant quelques années au début. J'ai commencé d'abord, je suis parti à Palomar College, c'était un community college à San Marcos. Et j'ai étudié là-bas pendant 2 ans. Et puis j'ai transféré à San Diego State University. Je fais des études d'informatique. Ça, côté expérience, c'était vraiment un petit peu différent. Côté culture et tout, c'était un grand changement par rapport au Maroc. Il me fallait quelques années pour m'habituer et pour s'adapter à la vie quotidienne ici à San Diego. C'était très sympa parce que ma vie a complètement changé d'une façon, parce que j'ai appris beaucoup de choses à vivre tout seul dans un appartement avec un colocataire. San Diego State, je préfère San Diego State de Palomar College parce que il y a beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus l'école est beaucoup plus grande, beaucoup plus de choix, beaucoup plus de les études sont plus efficaces. Surtout côté d'informatique, Palomar College n'était pas assez connu et San Diego State m'a donné la chance d'avancer mes études en informatique. Certainement côté cuisine, moi pendant toute ma vie, c'était toujours au Maroc, la cuisine était toujours prête. On rentre, il y a le repas qui est prêt, le dîner qui est prêt, le goûter. Et les plats sont vraiment uniques et très bons par rapport à ici. Ici, vraiment, j'ai eu de la chance parce que ma sœur, elle habite ici. Alors parfois, elle cuisine des plats marocains et tout, mais ça me manque énormément parce que tout ce que je mange maintenant, c'est pratiquement des sandwichs et des pastas et des trucs qui ne sont pas vraiment agréables à manger pendant toute l'année. Par exemple, la différence aussi, c'est la différence de culture qui est un petit peu. C'était un choc au début parce qu'il y a beaucoup de petits trucs qui changent. Par exemple, au Maroc, nous les hommes ou les femmes, on s'embrasse toujours, on s'embrasse, quand on se voit pour la première fois, on s'embrasse et tout sur les joues. Ici, quand je suis venu ici, pratiquement, il y a tout le monde qui donne une distance et il faut faire attention à ce que tu fais et tout. Alors, c'était un petit peu différent et un petit peu choquant au début, mais je me suis habitué et Pèse un peu. il fallait juste que j'apprenne leur façon de vivre ici. À part ça, les expériences ici, c'est sympa parce que. La différence, c'est qu'au Maroc, on est la famille, les amis, il y a tout le monde qui connaît tout le monde dans la ville, tout le monde nous connaît, tu connais beaucoup de monde et c'est toujours n'importe où tu vas, tout le monde te connaît. Ici, non, ici, on a la chance de rencontrer de nouveaux gens et de faire beaucoup de nouveaux amis. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a des gens de tout le monde, toute religion, culture, c'est sympa. J'ai passé un très bon moment. Maintenant, je viens de graduate de San Diego et je suis prêt à mener une nouvelle vie plus professionnelle et plus moins de et trucs comme ça, un petit peu plus professionnel.